Adossé à la chaîne des montagnes rocheuses, se trouve le plus vieux parc national des États-Unis et du monde. Yellowstone. Nulle part ailleurs sur Terre ne jaillissent autant de geysers et de sources chaudes qu'ici, sur ce vaste territoire de presque 9000 km². Et c'est pour protéger ce site unique qu'on l'a classé parc national dès 1872. La Lamar Valley, qui s'ouvre au nord-est du parc, est propice à l'observation des animaux sauvages, dont les loups. Ce grand wapiti mâle a toute une meute de loups à ses trousses. Pour lui, une seule issue, se réfugier dans le lit de la rivière. Ses pattes sont assez longues pour lui éviter un bain d'eau glacée, et ses bois sont une arme redoutable pour se défendre. Poursuivre l'attaque serait trop fatigant et risqué. Les loups préfèrent renoncer. Après avoir disparu dans les années 1920, le loup a été réintroduit dans le parc de Yellowstone en 1995, afin de réguler la faune et de rétablir un équilibre naturel. Les bisons aussi savent se défendre. Les loups devront se contenter des restes d'une proie tuée la nuit précédente. Chacun d'entre eux aura sa part, proportionnelle au rang hiérarchique qu'il occupe dans la meute. Le sous-sol de Yellowstone est littéralement en ébullition. Le parc est en réalité la caldeira d'un supervolcan dont l'énorme chambre magmatique s'étend sous la surface, sur 60 km de long et 30 km de large. Conséquence à la surface, une activité géothermique intense à près de 10 000 endroits. Les plus impressionnants sont les 300 geysers, dont le plus connu est Old Faithful, le vieux fidèle. L'emblème de Yellowstone jaillit avec la régularité d'une horloge suisse, toutes les 60 à 90 minutes, jusqu'à 50 mètres de haut. Partout bouillonnent des sources chaudes, des fumerolles et des mares de boue, comme dans le Red Spouter, dans la zone de Fountain Pain Pot. Ces phénomènes géothermiques n'impressionnent pas les bisons. Leur seule préoccupation est de trouver comment atteindre l'herbe profondément enfouie sous la neige. Ils n'hésitent pas à plonger tête baissée dans l'épaisse couche de neige. Environ 4500 bisons peuplent à nouveau le parc national. L'espèce a pourtant bien failli disparaître avec la chasse et le braconnage. En 1902, la région ne comptait plus que 23 individus à l'état sauvage. L'hiver règne 6 mois par an sur Yellowstone. Dans cette région montagneuse, le temps peut changer brusquement et il n'est pas rare que les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés. Pour survivre à de telles conditions, il faut hiberner ou avoir une fourrure épaisse. Les loups ne chassent pas forcément en meute. Pour ce loup solitaire, un jeune wapiti est une occasion trop belle pour la laisser passer. Le vainqueur sera celui qui aura le plus d'expérience. Une hésitation feinte et quelques pas de côté pour faire croire à la proie qu'elle est à l'abri du danger.
s'habituer n'était pas si difficile. Manger quand la pente est aussi glissante, c'est une autre affaire. La meute ne devrait pas tarder à avoir vent de cette belle prise et arriver pour le partage. Un froid polaire et un ciel dégagé se conjuguent parfois pour créer un phénomène météo étonnant. Ils se forment de minuscules aiguilles de glace en suspension dans l'air. C'est le poudrin de glace, parfois appelé poussière de diamant. Les coyotes sont des habitants familiers du parc national. Ils profitent souvent des restes laissés par leurs cousins, les loups. Ce wapiti mâle, trop grand pour eux, n'a rien à craindre. Il s'efforce péniblement de dégager un peu de verdure, tandis que non loin de là, un groupe de bisons a eu une idée astucieuse. S'approcher d'une source dont la chaleur a fait fondre la neige, laissant l'herbe à nu. Par moins 30 degrés, quoi de mieux qu'une petite séance de spa avec collation incluse? Les bassins couleur turquoise doivent ces nuances aux bactéries thermophiles et aux algues qui les colonisent. Certains insectes viennent même s'y accoupler, comme ces mouches Ephydridae, endémiques à Yellowstone. Elles pondent leurs œufs oranges en plein hiver, bien au chaud dans l'eau des bassins. Ailleurs dans le parc, les chutes d'eau Lower Falls forment encore d'épais rideaux de glace. La loutre de rivière n'a que faire du froid et de la neige. Elle garde toute son agilité. Son épaisse fourrure et les câlins de sa famille lui donnent la chaleur dont elle a besoin. Les jeunes loutres, âgées d'un an, resteront encore quelques semaines auprès de leur mère, jusqu'à la naissance d'une nouvelle portée. Mi-mars, les premiers ours mâles sortent de leur retraite hivernale. Le cadavre d'un bison sur la rive de la rivière Yellowstone a attiré deux grizzlies affamés. Pour le remporter, il va falloir en imposer à l'autre. La démonstration de force a échoué. Après 6 mois de jeûne, le premier arrivé n'est pas prêt à partager. Lui aussi va devoir montrer de quel bois il se chauffe. C'est le moment que son adversaire attendait. Les deux grizzlies de même stature ne se font aucun cadeau. Malgré la violence de ce genre d'affrontement, les blessures mortelles sont rares. C'est finalement le dernier arrivé qui remporte la carcasse du bison.
L'hiver recule enfin. L'eau de fonte des neiges vient gonfler les Lower Falls. Le Grand Canyon de Yellowstone est presque libéré de sa gangue de glace. Du mouvement entre les arbres. C'est une rencontre rare avec l'un des grands prédateurs du parc. Un puma. Lui non plus n'aime pas partager, et surtout pas avec une pie. L'oiseau parvient tout de même à chiper un morceau à emporter. C'est une femelle. Elle revient à la proie qu'elle avait soigneusement dissimulée. Sa présence ne passe pas inaperçue. La femelle puma n'est pas seule. Son petit n'a que 3 mois et elle l'allait encore, mais comme tous les petits pumas, il réclame de la viande depuis l'âge de 6 semaines. Ce grand corbeau aimerait bien avoir sa part du festin. Les tentatives d'approche du corbeau agacent les deux félins. Et font sortir de sa cachette un deuxième petit. Seule une vingtaine de pumas adultes ont élu domicile dans le parc national. La petite famille n'a rien à craindre dans l'enceinte de Yellowstone. Mais à l'extérieur, le puma est encore régulièrement pris pour cible. Une mère puma ne s'attarde jamais bien longtemps au même endroit. Les cris des corbeaux attirent d'autres carnivores qui pourraient s'en prendre à ses petits. Peut-être reviendra-t-elle finir son repas à la nuit tombée. Au premier jour d'avril, Yellowstone se transforme. Dans les vallées, la nature reverdit. Il est temps pour les ours femelles de quitter leur tanière. C'est une ours noire, même si son pelage est plutôt brun cannelle. L'un de ses oursons est d'un noir charbon. Alors que son deuxième petit est lui aussi couleur cannelle. Les deux nuances sont répandues à Yellowstone. L'écureuil roux salue ses voisins qu'il n'a pas vus de tout l'hiver. Les oursons ont besoin de se défouler. Ils sont nés aveugles 2 mois plus tôt. Au bout de 4 semaines, ils ont ouvert les yeux dans l'obscurité de la tanière. Et les voici qui découvrent tout à la fois, la lumière du jour et un nouveau terrain de jeu. Avec la quantité de lait que la mère doit produire pour ses deux petits, un repas végétarien riche en vitamines est le bienvenu. À cet âge, les oursons se fatiguent vite. Leur escapade ne dure pas bien longtemps. C'est enfin l'heure du goûter. La mère allaitera ses oursons jusqu'à l'automne et ils passeront l'hiver suivant tous ensemble dans la même tanière. Ce n'est qu'à 1 an et demi au plus tôt, lorsque la mère sera à nouveau prête à s'accoupler, que les petits auront envie de prendre leur indépendance.
Non loin de là, un petit gibier à plumes soigne son entrée en scène. C'est une gélinotte huppée, très répandue en Amérique du Nord. Intrigué par le bruit, l'écureuil roux quitte l'un de ses gardes-mangers. La parade nuptiale du mâle, appelée tambourinage, sert à attirer les femelles. Il s'agit d'une cinquantaine de battements d'ailes successifs, un rythme pouvant atteindre 20 battements par seconde. Le vrombissement ainsi créé s'entend jusqu'à 500 mètres. Un autre mâle tente lui aussi de se faire remarquer. Décidément, l'écureuil a des voisins bien bruyants. D'abord les ours, puis les gélinottes. Peut-être devrait-il se chercher un coin de forêt plus tranquille. Qui a dit que les gélinottes étaient les seules à pouvoir faire leur intéressante, perchées sur un tronc d'arbre? Fier de sa performance, l'écureuil s'accorde une petite pause pour faire sa toilette. Et la forêt retrouve sa quiétude. Pour le moment. En mai, la chaleur revient à Yellowstone. Les Lower Falls, au cœur du parc, ont presque deux fois plus de dénivelé que les chutes du Niagara. La rivière Yellowstone s'y jette de 94 mètres de haut. Chez les bisons, le troupeau s'agrandit. Mmh. 700 bisonneaux naissent chaque année dans le parc. À peine expulsé, le petit s'efforce de se dégager de la poche amniotique. La mère nettoie son nouveau-né. Tous deux doivent vite se remettre sur pattes, car les ours, les loups et les coyotes ne sont pas loin. Heureusement, la proximité du troupeau leur offre une certaine protection. Après 9 mois dans le ventre de sa mère, le petit bisonneau de 30 kilos doit se mettre debout pour la première fois. Sur des pattes encore flageolantes. Plus haut dans la vallée, une autre naissance s'est moins bien passée. Le petit mort-né d'une femelle bison a attiré une importante meute de loups.
Bien qu'affaiblie, la mère a encore assez de force pour se défendre. Sur la quinzaine de loups affamés, seuls quelques-uns sont prêts à se contenter de la dépouille du petit bison. Combien de temps parviendra-t-elle à échapper à ses poursuivants? Enfin, elle rejoint son troupeau. Mais elle n'est pas sortie d'affaire pour autant. Tant que ses camarades s'enfuient, les loups peuvent encore attaquer. Le troupeau finit par se regrouper et former un vrai rempart. La forteresse est désormais imprenable. Le parc national de Yellowstone est à cheval sur trois États, dont le Montana et l'Idaho, mais il s'étend en majeure partie dans le Wyoming. Les troupeaux de bisons parcourent ces vastes plateaux en quête de nouveaux pâturages. Des cours d'eau tels que la Lamar River leur barrent régulièrement la route. Pas le choix, il faut les traverser. Même les bisonneaux âgés de quelques jours doivent suivre leurs aînés. À peine remis de leur naissance, les voilà plongés dans le grand bain de la vie sauvage avec tous ses dangers. Ce petit saura-t-il rassembler tout son courage pour suivre les autres ? L'un de ses camarades a déjà atteint l'autre rive. La peur se lit dans les yeux du petit bison. Plus moyen de rebrousser chemin. Il doit lutter contre un fort courant, car la fonte des neiges a gonflé les torrents. Pour le bisonneau, c'est une question de vie ou de mort. Avec sa mère, il se rapproche enfin de l'autre rive. Il va pouvoir souffler. Mais soudain, le courant happe à nouveau le petit. Après toutes ces émotions, une sieste réparatrice est bien méritée. Des spermophiles uintas, de la famille des écureuils, observent leurs nouveaux voisins avec curiosité. Comme les bisons, ils forment une communauté très soudée. Ils veillent les uns sur les autres, car les prédateurs ne manquent pas. Voici justement un blaireau d'Amérique en chasse. Une seule solution, creuser. Les uintas ont tout prévu et prennent la tangente. Mais sont-ils tous parvenus à s'échapper? Le blaireau aussi a des petits dont il faut satisfaire l'insatiable appétit. Après avoir été allaités pendant 6 semaines, ils ont maintenant envie de goûter à une nourriture solide. D'un seul coup de dent, le blaireau a tué le petit rongeur.
Cette famille s'en est heureusement sortie au grand complet. De retour au bord du fleuve, dans la Lamar Valley. Par miracle, le jeune bison a réussi à se réfugier sur un petit îlot. Mais sans le lait et la chaleur de sa mère, ses chances de survie sont presque nulles. Quelques kilomètres en amont, les bisons traversent le fleuve Agué. Ici, ils ne craignent rien, si ce n'est la présence de loups solitaires guettant la moindre chance de saisir une proie. Mais celui-ci a un autre problème, des coyotes. Les deux espèces sont en concurrence alimentaire, ce qui en fait des ennemis mortels. Les coyotes en sortent rarement vainqueurs, mais cette fois, ils ont l'avantage du nombre. Une bisonne observe l'altercation, inquiète pour son petit. Les bisons s'allient aux coyotes pour chasser le loup. Ce n'est décidément pas son jour. Le loup se retire, la queue basse. Ses petits cousins clament haut et fort leur victoire. Le jeune bison a survécu à la nuit. La faim et la soif le tenaillent. Un jeune loup l'a déjà repéré et vu en lui la proie facile. Fuir est l'unique chance du petit orphelin. Ou peut-être vaudrait-il mieux attaquer. Le jeune bison esquive de son mieux les morsures du jeune loup inexpérimenté. Soudain, quelque chose détourne l'attention de l'assaillant. Des renforts arrivent. Puisant dans ses dernières forces, le petit bison inverse la donne. Le jeune loup se rend vite à l'évidence. Face à deux bisons, il ne sera pas de taille. Soudain, tout s'éclaire. Il s'agit de la mère du petit, qui le cherche sans relâche depuis presque deux jours. Le loup, dépité, n'y comprend plus rien. Le petit rescapé est affamé. Il vient chercher les mamelles de sa mère pour une récompense bien méritée. Du lait,
Enfin. Le jeune loup sait qu'il devra affûter sa stratégie si lui aussi veut survivre. L'été, à Yellowstone. Pour les loutres de rivière, c'est la plus belle saison de l'année. Les truites fardées de Yellowstone quittent les lacs et remontent les rivières pour y frayer. Un voyage fatigant dans des cours d'eau rapides et peu profonds. À l'aide de leurs nageoires caudales, les femelles creusent un petit nid de ponte dans les graviers. Elles y déposent leurs œufs qui sont immédiatement fécondés par les mâles. Cette loutre a bien repéré le manège des poissons. La vue de son frère se régalant déjà d'une truite a réveillé son appétit. Ça y est, ça mord. En juillet, les loutres de Yellowstone ne risquent pas de mourir de faim. Au nord-est du parc se découpe Souda Butte. Ce cône de travertin est un amas de roches calcaires, formé il y a plus d'un siècle par une source chaude aujourd'hui presque inactive. Une colonie d'hirondelles à front blanc s'est installée sur l'une de ses parois. Les parents nourrissent leurs oisillons qui piaillent pour plus de nourriture. Ils doivent prendre des forces, car ils quitteront le nid 21 jours seulement après leur éclosion. Mais au bout d'un moment, impossible d'avaler la moindre béquille supplémentaire. Il faut alors se soulager un peu. Les bisons apprécient la vallée autour de Souda Butte, dont le sol boueux contient des sels minéraux essentiels. Le parc national est renommé pour ses paysages grandioses. L'un des plus connus est le Grand Canyon de Yellowstone, avec ses 40 km de long et ses 370 mètres de profondeur. La roche jaune de ses flancs, riche en fer oxydé, a donné son nom à la rivière Yellowstone et au parc. Ce sont les derniers jours chauds de l'été. Ces trois jeunes grizzlies ont besoin de se rafraîchir.
Ils viennent d'être chassés par leur mère qui ressentait à nouveau le besoin de s'accoupler. Ils ont 3 ans et resteront encore ensemble pendant quelque temps. L'eau fraîche du lac est un délice. Les grizzlies, qui sont omnivores comme la plupart des ursidés, en profitent pour se nourrir de délicieuses plantes aquatiques. Pour passer le temps, rien de mieux qu'une joute amicale dans l'eau, qui servira aussi d'entraînement à de futurs duels entre congénères. Maintenant, assez joué. Voici la plus grande source d'eau chaude des États-Unis, la 3e au monde. L'immense bassin Grand Prismatic Spring. Différentes formes de bactéries thermophiles sont à l'origine de ces anneaux de couleur. Août marque le début de la saison des amours chez les bisons. Les mâles se roulent dans la poussière et dans leur propre urine pour intimider leurs rivaux par leur odeur. Le mâle vérifie ensuite si les femelles sont prêtes à s'accoupler. Il poursuit celles dont l'odeur lui semble prometteuse, même si elles appartiennent au harem d'un autre mâle. Si la femelle est bien disposée, il ne la quittera plus d'un sabot. De nouveaux prétendants arrivent sans cesse. Il n'y a pas de temps à perdre. L'année prochaine, une nouvelle génération de bisons viendra peupler les plaines de Yellowstone. L'air est empli de grondements, de poussière et de phéromones. Le mâle flaire déjà une autre femelle. Son attitude caractéristique, appelée flémen, lui sert à mieux percevoir les odeurs. Il doit conclure au plus vite. Un rival imposant s'approche lentement. C'est un colosse d'une tonne, une vraie montagne de muscles. Le mâle qui règne sur ce harem en bordure de fleuve ne peut laisser passer une telle provocation. Il est d'autant plus agressif que le nouveau venu ne se laisse pas impressionner. L'affrontement est inévitable.
La loi du plus fort l'a emporté. Désormais, c'est un autre mâle qui aura les faveurs des femelles du troupeau. Au premier jour de l'automne, l'ardeur des bisons redescend progressivement. Le massif du parc national de Grand Teton, tout proche, se découpe au sud de Yellowstone. C'est la fin du mois de septembre. Les saules et les peupliers faux-trembles ont pris une teinte dorée, telle de petits flambeaux illuminant les bois. Tandis que les élans font leur réserve pour l'hiver, les brames des wapitis résonnent dans l'air automnal. Il ne reste que peu de temps aux bisons pour se préparer à l'arrivée de l'hiver. Les montagnes rocheuses replongeront alors dans la torpeur. Seules les sources chaudes et les geysers continueront de jaillir, inlassablement, dans le plus vieux parc national des États-Unis, Yellowstone.